Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard médiana là depuis Bombardopolis. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une longue vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager intéressés, pas oublier abonner avec Bombard médiana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard médiana là. Bien nous va perdre du temps. N'a commencé. Cool, yeah. Nous allons entrer avec un détail d'information, mais avant, on a regardé comment température hier à pied pour journée et jeudi, puisque hier après-midi, la pluie qui est tombée sur pleine Gonaïves et sur ville là. C'est vrai, la pluie, ça n'a pas fait gros dégâts, mais les calmer, poussière, t'a monté en pile dans ville Gonaïves. La pluie en tout tombée dans bas la Tibonite là, et parce que c'est tout le département de la Tibonite là mouillé hier au soir. Jeudi, on commence à pied, on a regardé tout ça, nous, avec Christette. Bonjour Christette. Bonjour toute équipe là. Auditeur, auditrice, bien bonjour pendant chaque. Bonjour la jeunesse haïtienne. Mais comment situation temps présentée dans Caraïbes Black sous Atlantique là pour aujourd'hui jeudi qui c'est 10 juin 2021. Nous avons masléa qui ont gens humides, après une chaleur journée locale de bon côté li, ça qui pourra faciliter les activités la pluie sous département Grand'Anse, Sud-Est, Nip, l'Ouest, Nord, Centre, la Tibonite, après-midi encore, ak à Soya. Pour Port-au-Prince, ak zone qui entoure nous, possibilité activité la pluie avec l'orage, toujours Kembetou, pour après-midi ak à Soya, nan Port-au-Prince. Pour la mer, c'est prudence, zone côte nord, Gòf la gonave, ak zone côte sud, côté vent soufflé jusqu'à 25 nœuds, hauteur vague à élevé à 6 pieds, la mer à cap mauvais, nous demandons des précautions à mon cap la vie meilleure sous la mer. Matin, soleil a pleuvé à 6h14 et la poussée à 7h24 pour lever demain matin à 6h15. Température à biricole par la journée entre 24 à 34 degrés Celsius en moyenne, la tombée dans la nuit là, entre 18 à 24 degrés Celsius en moyenne. C'est là nos météo bout dans ça qui vient pour dans ça fait météo. N'a pour remercier équipe là, auditeur, auditrice. Nous souhaitons passer un bon jeudi. Rendez-vous pour m'kebe auditoire là informé, c'est pas le coup demain, vendredi, cap venir là. Bonne journée, messieurs. Bonne journée, Christette. On a voté avec développement information yo kounye là. Nous capable dire Matissant, c'est un point qui kembe actualité depuis un bon bout de temps, depuis dans commencement mois de juin. Plus que une douzaine moun t'a perdu la vie yo dans zone Matissant ça, qui c'est troisième circonscription Port-au-Prince là, dans l'entrée sud capitale là, plusieurs cailles boulé rapidement. Un peu le monde blessé avec balle, la population obligée d'abandonner zone ça pour aller jouer divers côtés dans la capitale là, ou bien soit gagner là d'ailleurs quelqu'un famille ou l'autre côté, gagner qui quittait capitale là, qui retournait dans ville province côté où t'es sorti, gagner tout, qu'al jouer dans place publique au Palmis, gagner cette place publique à Fontamara, mais hier t'es gagné un débarquement qui fait, mon était obligé à courir quitter place ça, gagner qu'al juste dans cette sportif Cafou. Il y a cherché refuge. Ça veut dire qu'il y a un propre monde qui connaît là, dans difficulté, dans de propre pays, dans Port-au-Prince. Côté situation, paraît tout déjà compliqué. Si il y a une matinée, t'es un calme apparent, qui te paraît dans la zone Matissant, personne ne bat des coups de zam, puisque monsieur Potko joint 4 touches pour commencer la guerre. Eh bien, hier soir, Balio a joint monsieur, et bien, Balio a commencé à chanter pour Pirède. Et ces amis, dans Matissant, hier après-midi, qui viennent tourner au conseil, un peu le monde est captané dans la zone non. Dans fin journée, bandit à mes 3e circonscription Port-au-Prince et dans zone Matissant, eh bien, te prends la rue encore et tombé tiré dans un petit bout de temps. Toute activité était complètement paralysée dans zone ça. Situation était toujours très tendue dans banlieue sud de capitale là. Côté c'est monsieur gang qui a fonctionné dans zone Tibois à Grand Ravine, mélangé avec monsieur Villa de Dieu qui a pas occupé et qui a maré gourmet. Hier après-midi, Zamio chanté une autre fois encore dans moment côté en pile monde dans tapso travail, eh bien on était en pile difficulté pour aller la caillou, on était obligé chercher l'autre côté pour passer d'une là. Situation ça pas différent dans plusieurs autres côtés dans pays, mais surtout zone Matissant professionnel yo même yo a chômé parce que yo pas gain moyen pour yo continuer faire activité yo. Donc gouvernement jusqu'à présent pas dit rien pour venir ouais si capable au moins joindre une solution à crise ça. N'a souligné que passage qui a monnoté qu'on a utilisé pour aller dans haute Cafouan ou bien dans zone Fontamara, li vraiment vide matin en pile monde capable constater pas de gain monde qui t'a circulé toute porte magasin, boutique, banque bolette, maison transfert, toute activité nette fermé porte chaud, pas gain machine cap courir matin dans zone Matissant situation on l'autre fois encore paraît compliqué alors que moun cap qui quitter zone Matissant qui connaît à ses propres réfugiés dans propre pays yo pas joindre support dans même personne moun gain dipode qui annoncer le pral porter support bay moun sa yo gain et docteur Reginald Boulossan qui lancé un marathon pour aider moun sa yo eh bien situation et haïtien yo toujours été comme réfugiés dans propre pays, alors que, hier soir, Premier ministre M. Scott Tutel, il fait une autre conférence avec Ministre, pour voir si il peut apporter une solution. Entre temps, mais Mounio, même, il a mouru, il a mouru de faim, il a pas un côté pour dormir, la pluie mouillée, situation vraiment difficile, dans zone, Matissant, et surtout, qu'on y a là, il voulait abandonner zone Cafouan, parce que hier soir, il a annoncé qu'il a monté Fontamara, sortant de là, moun couru qui était Fontamara, al chouer l'autre côté. Vérité sous tambour, c'est toute nouvelle pays, acte nouvelle internationale dans 30 minutes, 63.5 Radio Pyramide, chaque jour, 9h du matin. N'a pas entré dans problème pays d'Haïti en connaît là, gagne un compte qui prévoit pour demain vendredi cap 11 juin 2021 entre département d'État américain avec organisation haïtienne qui vivent dans la diaspora qui a organisé une manifestation devant Washington le 18 mai dernier. Eh bien nouvelle l'a confirmé, c'est membre comité organisation mouvement protestation qui était programmé pour 18 juin qui annonçait nouvelle ça dans New York. Pendant un compte ça participant yo pour accentuer son nécessité pour forcer président Jovenel Moïse à quitter palais national là parce que mandat le bout depuis 7 février passé an. Et puis pas gain aucune élection libre, honnête, crédible, démocratique qui possible avec régime PHTK sous pouvoir. Il va parler tout de problèmes gangstérisation qui gagne dans le pays d'Haïti côté en pile monde pas qu'à sorti et yo pour exemple zone Matissant. Toujours, c'est Astrel Jean-Gary, qui c'est une responsable organisation diaspora, qui a participé dans la rencontre ça, qui a fait demain 11 ans. Il pourra le plaider en faveur de mise en place un gouvernement de transition qui est capable d'organiser élections, mettre sécurité et répartir avec un procès PetroCaribe. Participants pour profiter également dénoncer quantité d'actes violations de droits humains qui commettent pendant 10 dernières années PHTK au sous-pouvoir. Responsable organisation haïtienne dans diaspora pour participer dans rencontre ça, c'est Sabine Philippe pour Haiti Brigade, Ence Villeneuve pour Viola, Yves Célestin avec Jean-Gary Astrel. Vérité sous tambour, c'est toute nouvelle pays, acte nouvelle internationale dans 30 minutes, 63.5 Radio Pyramide, chaque jour, 9h du matin. N'a pas retourné dans le pays d'Haïti, mais fois ça nous parle parler de dossier insécurité, ça kidnapping. Eh bien, information est tombée, route nationale numéro 3 est bloquée pendant toute journée hier et même matin, situation beaucoup claire dans la zone Saint-Raphaël. Nous communes dans le département nos pays pour arriver jusqu'à Ville-Hèche dans cette pays département cette pays. Conséquence c'est que un bus qui t'a transporté un bus en commun qui t'a transporté machine privée ensemble avec motocyclette une des problèmes est obligé retourner la caillou parce que conducteur yo interdit pour traverser route là c'est route Saint-Raphaël là côté population vivre la donne. On mettait mouvement ça à camper, puis on est capable de réclamer libération sans condition des techniciens italiens, c'est ingénieur Giovanni Calì, avec deux autres personnes kidnappées, et puis ils ont campé depuis 31 mai passé, information t'a fait quoi? C'est groupe gang 400 Mawozo qui t'a fait kidnapping ça. C'est l'information. Protestateur fait qu'on est otage, c'est deux superviseurs en film construction Raziel, qui est responsable de travail route Saint-Raphaël, ravisseur exigé $500,000 américains pour capable laguer. Les ouais que pas aucun monde qui dit en sous a fait ça, eh bien, moun nan zone ça, décampé en quoi, yo décidé bloquer route là et yo menacé pour yo intensifier mouvement protestation yo, nan bloquer route numéro 3 si bandi yo pas libéré otage yo. N'a pas entré dans l'autre point de dominer actualité, gagné mais soit ça c'est dans département la Tibonite n'a pas entré. Et nous pour aller dans zone bassin dans Bala Tibonite là dans ville Saint-Marc, gain bâtonné l'autre avocat dans juridiction Saint-Marc là maître Calanri Volmeïs qui réagit sur avancée qui gagne dans dossier assassinat maître Monferrier Dorval là côté le fait qu'on est démarche c'est un bagage qui louable parce que juge là maître Renan Régis montré le parité avec personne s'il capable de courage pour inviter madame président République là madame Martine Moïse pour le tendre lui bâtonné l'autre avocat ville Saint-Marc là Calanri Volmeïs reconnaître commissaire gouvernement Port-au-Prince c'est un obstacle malgré les juges mettre les ordonnances commissaire pas ben aucune citation à moun que le tendez maître Volmeïs dit pas un gros espoir la justice haïtienne a baillé réponse à ça et a cherché en temps de déclaration bâtonnier l'ordre avocat ville Saint-Macla maître Calanri Volmeïs démarche louable puisque juge a montré que il pas arrêté à personne. Et c'est le cas, prend courage pour l'inviter Madame Président pour le tendre. Et je pense que c'est un personnage très très important dans la démarche de chercher justice pour M. Dorval. Le Président a confirmé que Madame c'est le premier monde qui s'est recevoir un message comme pas dire le monde qui t'a vu celle-là même dans le moment que la produit, puisque à 2 minutes après 2 minutes de réalisation criminelle, et pendant que assassins étaient sur les lieux du crime même, ils ont envoyé vidéo, ils ont envoyé photo par madame, je pense que là, l'important pour entendre madame, et même président tout, puisque le président s'est confirmé ça, pour le plus précision, et pour venir avec photo, vidéo, numéro de téléphone qui t'envoyé, photo ça par madame, je pense que démarche à louable. Et même si quelquefois on a dit que Pissio Bouillé, il n'y a pas de information parce que il a été saccagé greffe, il a été rentré pour l'autre fois dans le cas de M. Dorval, même parce que la preuve, ça, c'est la preuve des preuves, que le président a porté pour dire que madame, c'est le monde qui a recevoir photo avec vidéo pendant que le criminel a commis là, parce que là, pas de sortie de là. Même aujourd'hui, pas de gros espoir. Pas un gros espoir que la justice haïtienne a nous vraiment ça m'a cherché. Même qu'on est que l'image justice ça va être en Haïti puisque il y a un système, il y a une justice qui est internationale, nous espérons et nous croyons que nous avons une justice pour mettre Dorval. Comment comprendre, commissaire gouvernement, par exemple, voyez citation by moun qui doit tendre alors que jugeant ont été voyés et by commissaire gouvernement tout un dossier déjà? Non, moi, bien sûr, le commissaire du gouvernement, il est commis par le gouvernement, il est l'attaché du gouvernement, il est l'esclave du gouvernement, le commissaire du gouvernement. Et il m'a quoi? Qui est le gouvernement? C'est le gouvernement, c'est Madame Martine et Monsieur Jovenel. Normalement, c'est esclave, il n'y a pas d'intérêt pour le voir papier par eux. Parce que c'est ça que fait, bon, l'autre bombe se dit. Que non pas expérimenter grand-chose dans le système judiciaire haïtien, mais nous espérons quand même lumière faite, et même si c'est au niveau international. Nous avons des déclarations, bâtonnier l'ordre avocat Ville Saint-Maclan, maître Calanri Volmeïs. Avant d'entrer dans l'autre point de dominer l'actualité, pendant, et Fon dit que un gros problème qu'a posé dans le moment où on a parlé là, dans zone, localité Palmis, deuxième section, rivière la Tibonite, route la coupée, route qui mène dans cette ville là, à cause de l'eau, la pique est tombée hier, rentrer la caille en pile moun, dans ça, population qui besoin de déblayer de l'eau, obligé de couper route là, matin, donc, c'est une grosse difficulté pour même motocyclette traverser. On a demandé à une opération rapide pour circulation capable de prendre dans la zone Tipalmis, qui c'est deuxième section qui vers la Tibonite, puisque route la coupée, route qui menait dans centre-ville là à cause de l'eau, rentrer la caille moun cap vive dans zone ça. N'a pas allé dans le département nord-ouest pays à opposition dans le département nord-ouest pays à travailler une conférence pour la presse à hier fixer position sur report référendum inconstitutionnel président Jovenel Moïse à opposition qui plaidait unité et mandé pour peuple à continuer à mobiliser pour permettre président Jovenel Moïse à quitter palais national avant 27 juin cap vin là quant à la présence OEA dans pays à eh bien moun sa yo qui dans opposition dans le département nord-ouest pays à dit ça pas faire ni chaud ni fret plus d'état pendant nous, c'est Jawiski, ça depuis le département nord-ouest pays. Opposition plurielle là dans le département nord-ouest qui réunit famille Lavalas, Fusion sociale démocrate, Pont, OPL, AAA, Petite Dessaline, Fonds Patriotique Populaire, pour ne citer ça seulement, rencontrer la presse, journée mercredi 9 juin 2021, ça, puis ça fixe position yo, sur report référendum tête chatte inconstitutionnel Jovenel Moïse, là, une porte-parole opposition dans la région, pour Mertilus Andalas, qui te prend la parole dans circonstances tambay, disons, ensuite, mandé unité dans mi-temps opposition, cap permettre Jovenel Moïse, mandat bout depuis 7 février 2021, quitté par les nationales avant 27 juin, cap vini là. Mertilus Andalas. Référendum annulé grâce à vigilance, grâce à militance, grâce à persévérance population. Mais 27 juin de Kembe, 27 juin de Kembe qui Jean. En 1985, Jean-Claude Duvalier a tenté fort référendum. Il passe café, il passe passé. Il était obligé de tomber, il perd du pouvoir pour ça. Dans l'histoire pays, des bons présidents tentent de faire référendum. Il n'a pas marché ou supposé quitter par les nationales. Puisque Jovenel Moïse, c'est pas un rendez-vous. C'est pas un rendez-vous pour 27 juin pour te changer la constitution parce qu'elle te croit que il y a une force populaire avec elle. Parce qu'au référendum, son vote oui ou non. Eh bien, le fait qu'elle déjà constaté, la population a déjà répondu non par rapport au référendum, eh bien, Jovenel Moïse capitulé. Puisque Jovenel Moïse capitulé dans le référendum, non, eh bien, il supposait quitter Palais National 27 juin. Département Nord-Ouest qui était lancé mot d'ordre, campagne, mobilisation anti-référendum, non, il profite matin en tout pour lancer un appel à la solidarité, à l'unité au sein de l'opposition politique et de la société civile. 27 juin, Jovenel Moïse supposé aller, puisqu'il capitulait sur le référendum, non. Nous connaissons le mandat qui est fini depuis 7 février 2021. Et pour lui prouver incapacité, un, pour assurer sécurité physique population, notamment de qui ça qui passait dans l'entrée et sortie sud pays. Et nous constater qui ça qui posait en termes de sécurité alimentaire en d'un pays. Jovenel Moïse n'a pas gagné aucune capacité ni légitimité pour traverser 27 juin. Comme 26 juin, c'est anniversaire Jovenel Moïse, n'a pas li journée 26 juin, mais la ban nous 27 juin, l'a quitté par les nationaux. C'est victoire au département Nord-Ouest, c'est victoire peuple haïtien. Département Nord-Ouest, profitez de l'annulation référendum pour lancer appel à l'unité, appel à l'entente nationale. Toute opposition en doué, chita, en bas drapeau papa de Saline, puisque c'est toute nation qui est en danger. Questionnil, sous présence OEA dans le pays d'Haïti, Mertilus Andalas, pas de mettre dans bouche li pour le dire, c'est OEA qui mettait le pays d'Haïti dans l'état de trouver le jour jodi à travers vieille élection piqué collé liou. Ça veut dire, présence OEA sous terre papa nation, Jean-Jacques Dessalines, pas fait ni chaud ni fret, Mertilus Andalas. OEA a une mission même pour créer crise dans le pays tant pour Haïti. L'opposition n'a pas grand-chose que le Brazil avec une organisation qui déjà sous coupe réglée et qui sous budget par les nationales. Déléguer un green moon avec une mémoire, un document écrit pour le remettre au OEA pour le dire mais situation pays. S'il pense le pas contre qui ça a passé en Haïti, mais qui est-ce qui Jovenel Moïse là, mais qui ça Jovenel Moïse fait dans le pays déjà. Jovenel Moïse, son volet chapitre Mimia, il participe activement dans la de 88 milliards à PetroCaribe, li touye Met Dorval, li fait massacre la Saline, li fait massacre Bel Air, li fait massacre Solino, li fait massacre Kafoufeuille, li pas au monde qui en odeur de sainteté pour organiser ni élection, ni référendum en Haïti. Opposition, dans le département nord-ouest qui bat bravo la contentement face à échec. Référendum Jovenel Moïse Land, mandé pour nation haïtienne, continue l'immense flambeau mobilisation bien haut à travers pays jusqu'à ce que vous mettez chef rebelle, Jovenel Moïse, dans condition pour s'acquitter par les nationales. C'est Jean Wiskis, Port de Paix, Pyramide FM. Merci en pile, c'est Jean-Wiskis, n'apporté dans l'autre point de dominer actualité, ça gué pour avec rencontre OEA, puisque jeudi, c'est troisième et dernier jour mission ça dans le pays d'Haïti. Responsable du Podjo, t'es rencontré avec la presse hier mercredi, pour te faire un rapport sur ça que t'es parlé, dans ensemble rencontre t'es gagné, mardi 8 juin, avec un membre mission OEA qui t'est rentré dans le pays. Ingénieur Osman Pradel fait qu'on est, il t'es profité de rencontre ça pour défendre valablement position sous crise cap sécurité pays d'Haïti. Ingénieur Osman Pradel a déclaré depuis le commencement rencontre là émissaire OEA yo demandé pour yo prendre un engagement vis-à-vis démocratie à élection. Yon bagay dirigeant du Podjo te voyagé bien loin, yo te tout profité expliquer à membre OEA yo que crise c'est pas question élection mais c'est l'autre bagay yo vinn parler avec yo. En temps de déclaration ingénieur Osman Pradel. D'entrée de jeu, nous avons dit dans la mission ça, nous qui vivent dans la mission, nous avons gagné environ 5 monde, nous avons gagné l'ambassadeur grenadine, nous avons gagné l'ambassadeur américain, canadien, équatorien, et Costa Rica, qui est là. D'entrée de jeu, il y a demandé nous pour nous prendre un engagement vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis des élections par rapport aux élections. Eh bien, d'entretien à la porte, nous disons, nous ne pas venir là pour discuter affaire d'élection. Nous disons, oubliez ça, nous ne pas venir là pour discuter aucune question d'élection. Et avec force que nous disons. Et nous disons que présence nous là, c'est deux raisons. Un, parce que nous connaissons que ça a son mission de conseil permanent, l'OEA, qui vient là pour une autre cause. Deux, nous venons là pour exposer Santa Cabrilé, point de vue nous, l'étude de la crise qui est là, et de telle sorte que nous pouvons aller avec des éléments nouveaux, que ce n'est pas parole et pouvoir qui a intoxiqué tous les jours, que c'est cette parole-là qui attendait. Nous voulons faire autant de paroles neuves, de paroles qui correspondent à Santa Cabrilé, la réalité politique, social et économique. Donc, dans ce sens, nous disons tout d'abord, la crise haïtienne aujourd'hui, il y a deux composantes. Un, il y a une composante conjoncturelle. Deux, il y a une composante structurelle. Sur le plan conjoncturel, nous disons que Jovenel Moïse, qui gagne mandat fini depuis 7 février 2021, suivant l'article 134.2 de la Constitution, et l'article 239 du décret électoral 2015, dans deux documents qui constituaient ça, le cadre légal qui était organisé l'élection, qui était porté Jovenel Moïse au pouvoir, il dit mandat, monsieur, fini. Et nous disons que toutes les institutions en pays, les forces en pays, que c'est l'église catholique, l'église protestante, c'est les majorités partis politiques, l'université, etc. Même des universités aux États-Unis, des grandes universités aux États-Unis, analyser les documents, on dit que mandat à M. Donc, à partir de ce moment, nous dit le 7 février, Jovenel Moïse qui font coup d'État contre la Constitution et contre le peuple haïtien. Nous demandons, est-ce que nous sommes prêts pour nous soutenir ça, pour nous soutenir un coup d'État, on est qui fait un coup d'État pendant que nous disons que c'est des organisations qui défendent le droit de monde, qui défendent la démocratie. Donc, nous disons que dans la phase nous et crise conjoncturelle là, pour résoudre, il faut qu'on évacue Jovenel Moïse du palais national. Donc, nous-mêmes, nous disons ça, son bagage qui est inébranlable pour nous. Nous ne pouvons rien nous faire avec Jovenel Moïse. Pas question de parler d'élection avec Jovenel Moïse. Et, c'est ça, nous allons argumenter, nous montrer quand nous va y payer. Nous se font même mise en quelque sorte sur le pays, sur tout l'État, toute structure de l'État. Donc, nous allons exiger pour nous une élection avec une élection pareille. Nous avons les déclarations Osman Pradel qui a été fait partie des délégations d'Irpodlan qui était rencontré avec un membre OEAO. Il y a trois sous-tables conférences. Parmi eux, Sorel Yacinthe, ensemble avec Yuri Latortue, plus ingénieur Osman Pradel. Réaction commence à tomber à partir de rencontre ça yo, gain ancien responsable syndicat enseignant yo dans Rola Tibonite là, professeur Didier Pierre fait connaître li accueilli en mission OEA ça dans pays avec un total indifférence côté le pas quoi dans ça cap discuter. Professeur Didier Pierre quoi, yo vini dans pays pour touyer du feu lumière parce que c'est OEA qui mettait Haïti côté lié là journée aujourd'hui. Pendant le rappeler depuis 2017 Haïti pas jamais arrivé faire élection dans pays. Est-ce que OEA pas au courant de ça tout? Didier Pierre déclaré, OEA complice en pile dans sanction États-Unis, Bahia, Venezuela. C'est pour raison ça, il a été supporté. Président Jovenel Moïse, Didier Pierre, fini, pour le dire, mission OEA, qui est entré dans le pays, c'est pour, vin plutôt pour redorer blason, yo. En temps des déclarations, ancien responsable syndicat, enseignant, yo, dans Rola Tibonite, là, professeur Didier Pierre. Bon, moi, je accueille, mais ça, dans la totale indifférence. Ça veut dire, moi, opinion me fait sur l'implication communautaire internationale dans la population haïtienne. Je pense que les missions sont missions pompiers pyromanes. Certains ceux qu'ils ont allumés, et maintenant, ils sont venus pour monter en sauveur, pour monter en fer. Mais, depuis 2018, ils ici à Boumé, pour recommander, laisser peu de droits qu'ils ont gagnés, pour se circuler ou bien pour manger. C'est-à-dire, ça, les droits petits, non droits qu'ils reconnaissent. Et citoyens sur la terre, que chaque lauréat connaît Haïtien perdu droit de vote depuis 2017. Depuis Jovenel Moïse comme vous voyez pas jamais une élection qui fait. Et puis, côté OEA, est-ce que vous ne pas au courant? Moi, je pense que j'étais conseil au défense, c'était OEA très complice dans sanction que les États-Unis baillent et Venezuela, ils étaient suivre, font suivi autour de Venezuela, comme Jovenel était en garantie pour eux. Pas poser aucune question à OEA par rapport à la question Venezuela. Il a fait tout ça pour bien vous. C'est pour des journaux. Et actuellement, là, vous remarquez que les journaux sont cadavres gâtés et que besoin d'évoluer la situation. Il n'est pas venu pour Haïti. Il est venu pour, comme si, en sorte, pour redorer blason, parce que ce qui passe en Haïti, c'est des bagages qui sont inaudibles. Parce que monde dans le monde qui comprend qu'un pays qui est membre, l'OEA qui est membre des Nations Unies, et qui des tribunes dans l'espace ça. Et puis, pour ça, ça n'a pas la vraie regardez l'histoire. Non, week-end, puisque 12 policiers mourent. On songe, j'ai 17 décembre 2001, il y a une réaction. Je ne sais pas si il 3-4 points de monde dans le pays. Non, il y a des gens qui sont condamnés. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont mis dans la là pour faire rester avec eux. Et que quand il y a son cadavre gâté, parce qu'il y a un avec eux. Parce que vous vous rendez compte que je ne vais pas ni faire référendum ni élection, on va aller de toute façon vers une transition. Et que vous venez, bon, moi je pense que il y a des acteurs sur le terrain qui répondent à l'invitation, c'était bien. Qu'elle dit, ça m'a dit là, je ne sais pas avec eux, mais il y a des acteurs qui ne peuvent pas répondre du tout. Moi, je pense que c'est des choix qui sont normaux parce que quand même, l'OEA n'est pas un simple observateur. Ça me fait comprendre, l'OEA, dans sa vie là, l'OEA n'est pas un observateur, il n'est pas comme si on mounit. Il n'est pas impliqué, l'OEA tout aussi coupable que Jovenel dans sa vie là, je dis. Il y a un membre du Podio qui fait qu'on est que phase manifestation pour nous d'avoir Jovenel aller en libre pas marché. Donc, faut entrer dans phase diplomatique là. Est-ce que, rencontre avec Diopodlan, ou capable de considérer le concerto? Bon, mon pense que si monsieur Dame Diopodlan dit, bon, pense que c'est pas la bonne méthode parce que tout le monde connaît que, on va qui fait histoire, on va dans Vincent Roger. Vincent Roger mène en pile de marches auprès des autorités coloniales pour habiter et décret 28 mars 1990 qui est en faveur de Machio. Nous sommes pile de marches, nous sommes tous capables pour participer, nous sommes tous des marches. Et puis, nous sommes dit, finalement, l'âme de la dialectique va être remplacée par la dialectique des hommes. C'est-à-dire, on pense que la diplomatie doit précéder avec des marches et mouvements de la rue. Parce que nous n'avons pas l'arrivée en Haïti. Il me paraît qu'il y a des initiatives diplomatiques qui peuvent faire que dans l'arrivée. Bon, tout compte fait que j'ai rencontré avec OEA. OEA apprécié les deux et blasonné. Je pense que si on rend compte que je te fais un gros erreur et que je te bats Haïti un gros fardeau, je fais Haïti pour un gros fardeau, en la personne de Jovenel Moïse pendant environ 4 ans et demi et 5 ans, mais je finalement voulais que je fais les deux et blasonné, c'est tant mieux. Je pense que si on rencontre à OEA non réunion, je me dis, je me suis dit que je avec mon OEA. Je me dis, merci beaucoup pour Jovenel Moïse parce que Jovenel n'est pas le président des Haïtiens. Jovenel est président parce qu'il défendre les intérêts des étrangers, des Américains ou bien de l'OEA. Nous avons obtenu des déclarations professeur Didier Pierre, qui est ancien responsable et syndicat enseignant dans le la Tibonite. Il y a un bâtonnier d'avocat Ville Saint-Macla, mais Calanri Volmeïs, qui réagit sous en présence OEA dans le pays d'Haïti. Il fait connaître chaque fois le pays d'Haïti trouver le nom impasse, ça y que OEA toujours montré la rentrée nécessité pour venir participer dans une solution à problème et qu'a fait tout le temps dans le pays d'Haïti. Bâtonnier d'avocat juridique sur Ville Saint-Macla, mais Calanri Volmeïs dit qu'il pas attendu à grand chose dans les communautés internationales là, parce que solution problème pays pas sorti dans les étrangers, c'est Haïtien qui doit résoudre un problème. Ça, Bâtonnier a dit optimiste sur un compte ça. En temps des déclarations, Bâtonnier l'ordre avocat dans la ville Saint-Maclan, M. Calanri Volmeïs. Je pense que c'est très souvent, chaque fois Haïti arrive dans l'impasse salaud international, là, toujours montrer nécessité pour participer à la solution à problème. Je pense que c'est dans l'idée ça que OEA yo organisé pour venir et ouais comment qui ça a fait qui ça a joué comme solution dans problème haïtien. Mais comme dit moi-même position PAM, compréhension PAM, je jamais attendre grand chose de l'international là, puisque je me toujours dit et me comprendre que solution à problème haïtien pas sorti de l'étranger, il a sorti dans les haïtiens. C'est nous-mêmes qui pour connaître qui ça nous décidé, qui ça m'a fait. Et moi-même, par exemple, ça m'a toujours tendu à dire, qui pays Haïti t'a aidé pour indépendant, qui pays Haïti qu'on a soutenu pour être capable de sortir dans un moment difficile, dans la période d'esclavage, même pas jamais tendu à dire, qui pays qui te mette main à Haïti pour Haïti t'a capable d'être indépendant. M. Volmeïs, jeudi, il y a plusieurs partis politiques qui pas d'accord aller, gain qui d'accord rencontrer avec mission EASA. Est-ce que là pas gain au flou dans activité ça connait là? Bon, je pense que dirigeants partis politiques yo gain des capti philosophie par yo gain raison qui ca faire ca décider ou pas participer ou bien rencontrer avec de telles personnalités. Même pas se rencontrer avec vous. Je ne peux pas dire que c'est mauvais. Je décidé de pas rencontrer avec eux. Je ne peux pas dire que c'est mauvais tout parce que rencontrer avec eux, est-ce qu'il y a venir avec solution? Comme nous tous, ouais, et non, et vous y allez président, c'est l'international qui vient chercher eux. C'est pas nous que j'aime vous y aller vraiment. Mais, une solution. Est-ce que l'international a jamais porté une solution qui est capable, durable? Ou bien qui est capable de permettre toute bonne voie, population d'aller en ouf de soulagement. Mais malheureusement, moi-même toujours non, parce que quantité de missions qui viennent, quantité de cob qu'on dépense chaque fois mission ça va venir, bah, j'aime moins rien qui fait. Je vais prendre un exemple bien simple, bien clair, qu'après tremblement de terre là, je pense que tout le monde tendait et connaît qu'il y a plus de 10 milliards de dollars qui dépensent pour Haïti. Si nous apprenons Haïti, après tremblement de terre, Haïti, avant tremblement de terre, là, Haïti qui gagne 10 milliards de dollars qui dépensent pour lui après tremblement de terre, d'après que dans 10 milliards de dollars, ça est comme tout à l'heure, même 100 dollars qui dépensent au bénéfice de Haïti. Vous optimiste sur l'arrivée mission ça dans le pays d'Haïti? Bon, sincèrement, je ne sais pas. Nous avons des déclarations, bâtonnier l'ordre avocat à Ville Saint-Maclan, maître Calanri Volmeïs. Coordonnateur plateforme organisation pour libération sociale, la Tibonite, Paul Sa, monsieur Misen Saint-Just a déclaré, il était toujours dit qu'il y a nécessité pour un dialogue qui fait dans le pays, pour sortir non dans situation ça, Haïti trouvé là depuis quelque temps. Misen Saint-Just, c'est parce que tout un secteur dans la vie nationale là, levé campé pour bloquer projet référendum là, qui est à la cause OEA, vient dans le pays, pour rencontrer avec acteurs politiques, responsable, coordonnateur et Paul Sa, mais c'est juste dit c'est un bagay qui bon pour ensemble tout le monde chita, surtout membre opposition yo chita parler avec OEA, mais c'est pas pour prendre l'ordre dans la main blanc OEA, c'est pour plutôt discuter et puis poser problème pays d'Haïti. En temps des déclarations, coordonnateur plateforme organisation pour libération sociale à Tibonite là, monsieur Misen Saint-Just. Au niveau Paul Sa, nous devons toujours dire qu'il y a nécessité pour que toujours gagner des dialogues qui fait pour que le pays arrive sur une situation déjà la crise difficile que la population arrivée, il t'a vaqué avec l'occupation, il t'a vaqué du tout dans la question la mangeage, etc. Je dirais, et pas oublier qu'ensemble, les deux oppositions, les opposés du pouvoir et de l'opposition, ne pas qu'à dire tout le monde péché. Mais pas oublier que au bon chef de l'État, qui est monsieur Jovenel Moïse, qui mandat le fini le 17 février 2021, qui t'a allé laisser pouvoir pour l'aller, mais qui était toujours un projet macabre, et il devait qu'on ait des cafés, un projet poisonné, qui s'est référendum, nouvelle constitution, c'est qu'à nous. Et je dis, nous fait bataille, je dis, pour nous faire battre sous lui. Mais pas oublier que c'est longtemps ça, et l'OEA, c'est toujours à faire rapport par rapport avec le président. Et qui est responsable vraiment M. Amavigo. Et M. fait plusieurs rapports et pour dire que tout le marche très bien dans le pays. Mais avec normalement ça, nous voyons que la population, vous-même et la population, tout secteur dans la vie nationale là, nous les décampés puis on dit référendum n'a pas fait. Et on a pile preuve qui montre que le référendum n'a pas fait. C'est ça que fait Yodia, l'OEA, Vini, avec un pile match tout à l'bail, qui montre que les barrières marchent très facilement dans le pays. Mais Yodia, Vini. Mais quand tout le monde dans l'opposition, qui dit, il n'y a pas de chita avec M. Louria, mais c'est une question d'orgueil. Par rapport même, je n'ai pas d'accord chita avec Jovenel Moïse, je n'ai pas d'accord chita avec Louria, tout. Pour ça, je pensais que, mais toujours, moi-même, pas bien d'être dans l'opposition, je t'ai toujours dit, pas de limite de dialogue tout le temps, c'est politique, et tout le société va venir. Quand on passe à dialoguer, et crise a toujours été plus durée, et population a souffert plus. Je dis à, c'est des votants pour ensemble de leaders de l'opposition à Chita pour parler, mais c'est pas pour des ordres dans l'OEA pour dire mais qui ça pour fait, mais c'est pas pour des ordres pour venir dire oui, faut mais qu'il ait élection pour le faire, mais c'est discuter ensemble parce que nous-mêmes nous faisons partie des Nations Unies, nous sommes membres fondateurs et nous sommes membres de l'OEA. Et je dis à pas qui problème qui gagne, si des ensemble de responsables de l'opposition à Chita, mais les gens où nous dit là dans sa position par nous claire, c'est pas pour des ordres pour venir dire mais qui ça pour fait. Nous, c'est Haïti, nous, c'est une entité qui a une responsabilité dans l'OEA, qui fait partie de l'OEA, qui fait partie des Nations Unies. Eh bien, nous avons droit pour nous poser problème pays à pays. Et si il y a des coups de travail pour nous sauver dans sa communauté sauvée, eh bien, moi, par contre, problème dans le pays. Vous confiant qu'il y a besoin d'une solution? Bon, est-ce qu'il y a besoin d'une solution? Est-ce que l'OEA a tout une solution dans le problème crise qui est là? Pour parité quoi? Et Paul Sa en soi, parité quoi? C'est son solution pour y avoir une côté, mais nous croyons que chita parler ensemble des citoyens, national, international, qui comptaient discuter affaires pays à pays. Nous croyons que c'est normal. Les citoyens, ils doivent chita, même gens Haïti, même gens Pabli, Jovenel Moïse, voté, nous prenons Venezuela comme un pays pour supporter les Américains et même pour voter contre l'OEA et contre Venezuela. Mais est-ce que la solution est portée à la crise qui a traversé Venezuela? Non, la crise n'a pas résoudre. C'est même bientôt, et c'est pas parce que l'OEA, si maintenant peut-être c'est résoudre une crise là, eh bien, pas bien, c'est la première mission l'OEA vient nous faire en Haïti échouer. Nous avons les déclarations coordonnateur Paul Sa, M. Misen Saint-Just. Nous continuons à chanter dans Matissant, troisième circonscription, capitale là, tout c'est rentré sud, Port-au-Prince, côté hier après-midi, bandit à Xamio, qui sortit dans zone Tibouagan, à une Villa de Dieu, remarqué coup d'âme encore, ça qui t'a la cause, en pile monde, t'es une grosse difficulté pour entrer la caillou, puisque dans matin, t'es un calme qui te paraît dans Matissant, hier soir, il y a un monde qui est obligé à le jouer l'autre côté, pendant ce temps, il y a un réfugié qui toujours, qui était sous place Fontamara, qui était voulu abandonner lui, il y a l'autre qui prend un réfugié en dansant sportif Kafoua. Département d'État haïtien, département d'État américain a rencontré avec diverses organisations haïtiennes dans la diaspora pour Yoshita sous dossier pays d'Haïti. On a rappelé que l'organisation yo a organisé une manifestation mois passé devant Washington. Yo a annoncé l'autre mouvement pour le prendre 18 juin avant manifestation. Ça, eh bien, organisation État américain, Vlechita, avec diverses organisations haïtiennes en diaspora, pour poser problème à pays d'Haïti. National numéro 3, bloqué dans niveau Saint-Raphaël, moun qui vivent dans zone ça, campé, et toute activité sur route là, pour demander libération deux techniciens italiens, groupe gang 400 Mawozo, ont kidnappé et demandé 500 000 $ américains pour les libérer. Maintenant, l'ordre avocat dans la juridiction Saint-Marc, M. Calanri Volmeïs, réagit sur l'avancée qui gagne dans le dossier assassinat M. Monferrier Dorval. M. Calanri Volmeïs dit que il n'a pas gagné un gros espoir. La justice haïtienne a baillé réponse à ça et a cherché. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché pour attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne. Et toujours songer pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. We'll be right back.